Alors où est-ce qu'on est? À l'hôtel de ville. Situez-nous un petit peu. On est à l'hôtel de ville. À la rotonde. On est où? À la rotonde. On est à la rotonde. La rotonde, c'est le café Tabac. Le café Tabac. Très bien. Et on va faire les courses donc dans cette avenue qui s'appelle la rue de la République. Nous sommes toujours dans la rue pour saluer la présence de Patrick Sabaty, qui est notre invité très exceptionnel. Alors si vous voulez venir nous rejoindre, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est la fête commerciale jusqu'au 7 décembre. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous accueillons Patrick dans les rues de Chauny pour cette grande fête. Dieu sait si... Souvenir, souvenir. Année 2003, Chauny dans l'Aisne. Coincée entre Saint-Quentin et Soissons, cette ville a un rendez-vous incontournable que tous les Chaunois attendent et connaissent, la quinzaine commerciale. Alors ça va exploser. 0323 38 10 10, je parle du téléphone bien sûr et de la ligne. Vous n'avez pas encore gagné de cadeaux jusqu'à maintenant. Vous nous appelez bien sûr, on vous attend. Juste après une parenthèse essentielle, une espérance traînant surface pour éviter un rituel qui laisse des traces. Je continue de rêver sans y penser. Je continue d'espérer une intention d'aimer. Voici en quelques minutes le résumé de ce rendez-vous, cher au cœur des Chaunois, où des générations entières ont grandi avec cette fête. Les fêtes, c'est... on s'y croit déjà, on est déjà un peu dans Noël, donc ça fait du bien. Et vous, madame? Je trouve ça très beau, ça fait une belle balade. Bienvenue dans le quart d'heure souvenir, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. C'est le Nemo, le dessin animé qui est absolument extraordinaire. Alors ça, je veux dire que c'est pas simplement pour les petits, c'est pour tout le monde. Formidable film. Il y a un univers que tu préfères dans le cinéma, particulièrement érotique. Le point d'orgue de cette année était la venue de Patrick Sabatier dans les rues de Chauny. Et quand un célèbre animateur de télévision se déplace dans les rues, toutes les réactions sont possibles. Il y a celles qui le trouvent plus petit qu'à la télé. D'autres qui sont émus. Quand vous voir, ça met le chaud au cœur. Ah oui, mais enfin, attendez. C'est vraiment pas la grippe. Daniel. Il y a même ce chauffeur qui n'hésite pas à stopper son bus au milieu de la route pour une photo dédicacée. Merci. Moi, j'étais petit. En tout cas, Patrick Sabaty a pu constater que le public ne l'avait pas oublié. Voilà, il va être. Merci. Au revoir. Toutes les plaisanteries étaient bonnes ce samedi de décembre 2003. Comment ça se fait? Non mais comment ça se fait, tu n'étais pas là? La dame avec qui tu parles là, c'est ta femme? Elle voulait m'embrasser. Je te la repasse, allez, salut. Vous n'êtes pas dans la merde. Tous les commerçants ont reçu sa visite et à chaque fois c'était la même émotion et la même joie. Continuation. Au revoir, madame. Comme d'habitude, les organisateurs ont inondé les clients chaunois de cadeaux et cette année-là, c'est Fabien Deck qui était chargé de cette tâche. À son arrivée, chaque client dans les magasins se voyait remettre un sac chargé de cadeaux divers et utiles. C'est un beau parfum avec du parfum. Il y a peut-être une petite amie à qui faire plaisir. Oui. Non, c'est bien. Super Noël, il est passé. C'est pas oh, monsieur, qu'est-ce que t'as eu? Regarde un peu dedans. C'est voir. Ah, je sais pas. Oh, une bête qui rit. C'est une tirelire. La place. Je fais du manège des fois sur la place, là-bas. Oui. Ouais. Ça te plairait des tickets gratuits pour aller en faire? Tiens, voilà, tu vas faire du manège. On achète les cadeaux, les bouteilles de champagne et puis évidemment les invitations pour la superbe soirée de clôture du forum le 18 décembre au forum de Chauny, deuxième festival mondial de musical. Voici les résultats. Madame Renard Lucienne qui habite 6 rue des Remparts à Chauny.
La quinzaine commerciale, c'est une énorme organisation où tous les jours les clients pouvaient gagner de nombreux bons d'achat lors d'un tirage qui se déroulait dans le studio de radio conçu par José et Vincent Coquart de la société LMS de Chauny. Oui, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'on est la seule ville dans la région, voire plus, à avoir ce type de manifestation. Marc Santerre, animateur, donnait le là tout au long de ses 15 jours de fête. En bon professionnel, il a donné à entendre aux clients et aux auditeurs de Radio Chauny des artistes à découvrir, comme Lorenzo Caminotti ou encore Lorraine Faure. En fait, en parlant d'email, en parlant de site, je crois que tu as un site. Les gens qui sont derrière leur poste, ils peuvent peut-être noter. C'est quoi quand tu vas être réactualisé? Donc c'est www.lorenzo.com. Lorenzo, ben c'est facile. On se retrouve dans un instant avec notre invité Lorenzo Caminotti. Vous allez voir qu'il a d'autres chansons à son répertoire, puisqu'on écoutera dans un instant une chanson interprétée par Lorenzo, une chanson de Julien Clerc. Juste après une parenthèse essentielle, une espérance traînant surface pour éviter un rituel qui laisse des traces. Je continue de rêver sans y penser. Je continue d'espérer une intention d'aimer. Une extrême envie d'être aimé rien que par elle. Perception de sentiments sur le même accord. Je continue de rêver sans y penser, d'espérer une intention d'aimer. En amour en général, quand arrive le final, c'est pas banal. Patrick Sabatier. Salut Patrick. C'est bien, j'ai pris le train de 11h23, hein, mais c'est... Bonjour madame. Comment ça va? Bah bien, ça va très très bien, je suis très content d'être là, puisque c'est à cause de toi, et accueilli aussi par les commerçants de la ville. Non, en plus, je trouve qu'on a une chance extraordinaire. Quand le matin on se lève, qu'il fait beau, qu'on est en bonne santé et que tout va bien, on doit toujours dire « ça va bien ». La quinzaine commerciale, c'est aussi l'incontournable marché de Noël mis en place depuis 9 ans par Michel Kriff. Ah oui, l'association Arrêt Jeunesse est née en 1948. C'est une année très symbolique en ce qui me concerne puisque c'est mon année de naissance. Mais il est vrai qu'on ne m'a pas pris au berceau pour peindre ni pour entrer à Arrêt Jeunesse. Donc je suis rentré, en réalité j'avais 13-14 ans à l'association Arrêt Jeunesse et j'y suis toujours et ça fait plus de 30 années que je suis à la présidence. Voilà, c'était quelques instantanés de la quinzaine commerciale crue 2003. Bon vent à cette manifestation qui dure toujours et le mot de la fin aux deux animateurs. On va regarder une dernière fois la caméra de notre ami Michel qu'on va remercier aussi. C'est Chauny fait son cinéma, j'allais dire c'était Chauny fait son cinéma, mais ça continue encore tout ce week-end. Encore deux jours d'animation non-stop hein, jusqu'à dimanche soir 19h. N'hésitez surtout pas à venir encore en centre-ville et de jouer avec nous. Et pour la caméra qui est en train de nous filmer, ça c'est mon ami Fabien, alors ça porte bonheur il paraît. Voilà, sur le front de notre ami Fabien. Je n'ai pas encore le crâne de Barthez. Et surtout, quoi que vous fassiez, faites-le très très bien, monsieur dame. À demain matin, 10h.